Bonjour à toutes et à tous, c'est Combat Gourou, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti de beaux jeux, de jeux mignons, on va dire. Et aujourd'hui, on va commencer ensemble le let's play de Blind Souls. On va arpenter cette aventure au travers des yeux d'un peintre mort. Et oui. Donc le jeu, vous voyez, est traduit en français, mais pas le doublage, hein. Ce sera des sous-titres. Allez, en avant pour cette histoire. Alors, graphiquement, c'est sympa quand même, hein. C'est pas mal, hein. Les points rouges sont où se trouvent les canevas, les zones bleues, les rumeurs. Et là où se trouverait le portail. Alors, on peut le jouer à la manette. Voilà, la carte. Et donc... La lampe, le... La lampe, c'est pas une lampe, c'est une lunette de vue. L'ambiance sonore est géante, hein, déjà. Alors, j'ai baissé un petit peu le volume de la musique. Ah, regardez ça, on voit un feu, dites donc. Et on peut courir. Moi, je suis où, moi? Je suis le machin blanc, là, au milieu. Du mal à se... Oula. Je me suis retrouvé étendu au grand air tôt le matin avant le lever du soleil. Au-dessus de moi se levait le ciel d'été. Dans l'attente du soleil, les nuages le voyaient déjà venir de loin. Et bientôt, chaque goutte de rosée se réjouirait de sa présence individuelle en son sein. Je reste immobile pendant quelques minutes, et puis lentement levé et regarda autour de moi. Et j'étais au sommet d'une petite colline. Une vallée se trouvait en dessous, et une chaîne de montagnes fermait la vue de ce côté. Mais à mon horreur, de l'autre côté de la vallée, et à la hauteur des montagnes opposées, s'étendait, de mes pieds même, une ombre extrêmement étendue. Alors là, on est au pont. Alors le point de vue, c'est ça ? Thank you.
Pas évident, hein. Pourtant, bon, la carte, j'y comprends rien. Je vous le dis, je comprends rien que d'elle. Alors c'est ça là-bas, le pont plutôt. Donc c'est pas par ici que je passe, c'est peut-être donc par l'autre côté. Alors on marche à une vitesse hyper lente et on court à une vitesse hyper trop vite. Alors il y avait le feu là, il n'y a personne. Un feu de signalisation. Excusez-moi, monsieur, dame, mais je suis paumé complet, moi, là. J'arrive pas à savoir où je suis sur la carte. Ah, je suis le point bleu. Le point bleu clair. On va vérifier ça de suite. Ouais. Voilà, maintenant je sais où je suis, je m'oriente. Voilà. Donc je vais chercher, on va voir un canevas hein, déjà. Ah ben ils sont indiqués en plus. Rigoler, c'est à moi de dessiner. Mais je dessine quoi? Alors ça c'est son moral. S'il est plus triste, plus luxuriant.
Alors combien on en a là? 1, 2, 3 encore. Oh là là. Et graphiquement c'est top hein. C'est vraiment bien fait. Bon, alors, le deuxième, il est où? Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Qu'est-ce qu'on va peindre cette fois-ci, les amis? Plutôt ça? Ouais, les chutes d'eau, hein. Vous avez vu, hein, on est en monotone, hein, on n'est pas en multicolore. Hein. Voilà, ma toile est faite. Alors, où était l'autre? Voilà. On va avoir un panorama de feu de Dieu. Oh. Les mémoires perdues de la pierre. Oh la vache. Bon, on est un peu largué, hein, mais bon. Oula, mais comment je vais faire pour accéder à l'autre là-bas derrière? Il faut que je monte par ici alors. Suivre la route, hein, un chemin. Encore faudrait-il que je puisse le prendre. C'est ça le chemin? Ah oui, oula, je peux. Il faudrait que je monte sur le pont. Mais je peux pas. J'ai pas de possibilité de monter sur ce pont depuis le début. Et comment je vais faire? Là.
Il est long cet aqueduc, hein. Normalement, je suis dans le bon coin. Voilà. J'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a dans les narines? Il saigne du nez? Oh. Ah, le tableau est fixe ici. Pas bon. Je veux refaire ma toile, s'il vous plaît. Oh. Ah, ce truc monochrome, c'est quand même pas si facile, hein. C'est pas si évident, hein. On a bien les coups de pinceau, je vous le dis. Bon, ben, j'ai fait mes tableaux, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre, madame? Je vais chercher le portail. Ah, j'ai trouvé la tour. Ah, me dites pas qu'il faut que je refasse tout le tour quand même. Bon, il faut explorer les lieux, on a compris. Hey, donnez-moi une descente. Regardez ça. Oh, c'est beau. Même le mouvement de l'eau et tout, dites. Oh là 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 là. Avec le bruit de l'eau et tout. Je crois que j'ai oublié de vous le dire, hein, mais ça vaut 5 euros. Il me semble. Donc, par contre, là, c'était pas top. Mais non, je l'ai fait, ça va. Bon. Faut s'y approcher là. Mais j'ai dû rater un truc, hein. Ouh. C'est quoi ce machin? Bon, on va hein. Vu que ça fait 20 minutes, qu'il m'a fallu 20 minutes pour explorer cette zone, bon, on a compris, j'ai pas tout exploré. Hein. Ce que je vais faire, moi, je vais continuer, parce que je pense qu'il faut que j'aille voir les trucs qui sont sur les côtés. Et puis, bah, on va voir, hein, on va continuer la semaine prochaine pour voir ce qui se passe. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir les commentaires, hein, parce que c'est le swing complet, hein, on nage en eau trouble, là.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Blind Souls. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye.